Oh, nouveau. Belle crêpe pyramide. Et maintenant le cône. Mon travail. Nous avons besoin d'un cube et d'un parallélépipède de rectangle comme fondation. Regarde, construisons des montagnes russes. Veux-tu nous aider? Voici Benny avec des formes. Apporter des formes plates en deux dimensions. Défarvons ces wagons. Cercle, ovale, triangle, carré, rectangle, losange. Pentagone, hexagone, octogone. Merci Benny. Donald nous a apporté des formes lourdes en trois dimensions. Tu peux les regarder n'importe quel angle. Voyons quelle forme en trois dimensions nous avons. Fer. Cube. Parallélépipède rectangle. Cylindre. Waouh, c'est un sentier. Soyons très prudents. Pyramide, cône, merci Donald. Finissons maintenant une des tours. Nous avons déjà installé des parallélépipèdes rectangles, des cubes, des cylindres et des formes en deux dimensions.
cercle, ovale, triangle, carré, rectangle, losange, pentagone, hexagone et octogone. Il nous faut encore installer sphère, pyramide, cône. Oh non! Cette sphère est trop petite! Essayons avec une plus grosse sphère, pyramide et cône. Bravo! Nous avons construit notre partie. Bientôt les enfants pourront essayer les montagnes russes. Pas encore fini. Aide-moi à finir cette partie. Nous avons besoin d'un parallélépipède rectangle, un cube et des cylindres. Maintenant, renforçons avec ces formes en deux dimensions. Cercle, ovale, triangle, carré, rectangle, losange. Laisse la partie manquante, Gru. Nous avons encore besoin d'un pentagone, un hexagone, un octogone, une sphère, une pyramide, et un cône. C'était vraiment super! Merci de m'avoir aidé à construire les montagnes russes. Tu connais maintenant les formes en 2 et en 3 dimensions. Le système est en marche. Mode d'apprentissage des couleurs. En marche. Impossible de détecter les couleurs. Bonjour, Bobo. Bonjour, Sean. Je te cherchais. J'ai entendu dire que tu aimais bien peindre. Oui, c'est vrai. Mais je ne connais pas les couleurs. Peux-tu m'aider à apprendre les couleurs? Bien sûr. Monte dans mon wagon.
je vais t'apprendre les différentes couleurs. Merci, Sean. Regarde, j'ai des fruits et des légumes de différentes couleurs. J'ai des citrons jaunes, des oranges, des tomates rouges, des fruits de dragon rose, des aubergines violettes, des myrtilles bleues, des pommes vertes, des pommes de terre marron et des mûres noires. Comme tu le vois, les différentes choses ont différentes couleurs. Mon corps est rouge avec un liseré doré. Mon visage est gris. Ma cheminée est noire. Et toi, tu es argenté. Merci, Sean. Je vois de la peinture blanche. C'est vrai, robot. J'ai oublié de te parler de la couleur blanc. Le blanc est ma couleur préférée. J'espère que tu as appris toutes les couleurs. Le blanc est ma couleur préférée. Je suis fatiguée. Je vais faire une petite sieste. J'adore peindre. Très bien. Tu peux peindre quelque chose pendant que je me repose. J'adore la peinture blanche. J'adore peindre. J'adore la peinture blanche. J'adore peindre. Oh non, tu as tout peint en blanc. Aidons le robot à remettre les bonnes couleurs. Voici les couleurs que j'ai. Jaune, orange, rouge, rose, violet. Bleu, vert, marron, noir, gris, blanc, doré et argenté. Commençons à peindre. Tu as un visage gris, une cheminée noire, un corps rouge avec un liseré doré. Allons maintenant peindre les fruits. Des citrons jaunes. Des oranges, orange. Des tomates, rouges. Des fruits du dragon, rose. Des aubergines, violettes. Des myrtilles bleues. Des pommes vertes.
des pommes de terre marron, des murs noirs. Bon travail. Merci Gobo. J'espère que tu connais toutes les couleurs maintenant. Merci Sean, je connais toutes les couleurs. Et merci à toi aussi.